un jour j'ai décidé d'aller enfin bosser. J'ai beaucoup pris sur moi, faut dire j'avais pas le choix. J'ai étudié de travers, il y a des effets pervers. Il faut travailler plus pour gagner une misère. On va parler un petit peu maintenant de votre programme. Si vous avez un, deux, trois, quatre mots pour décrire votre devise, ce serait lesquels? Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. C'est quoi pour vous être rebelle? Être rebelle, c'est un des points du programme. Par exemple, d'abord, le programme, je ne l'ai pas fait moi, c'est-à-dire je suis allé à la rencontre des Français. C'est important. Je leur ai parlé. Je les ai surtout écoutés. Et ils m'ont beaucoup appris. Et j'y ai vu un signal fort. Là, je peux continuer comme ça pendant heure avec que des phrases à la con. Ça marche. Je les ai appris par cœur et je peux faire pire qu'eux. Et dans un des points du programme, donc écrit par les gens que j'ai rencontrés, par les internautes qui m'ont envoyé des idées, j'ai fait une synthèse de tout ça. Après, bon, évidemment, j'ai habillé, j'ai un peu déliré, mais c'est le programme. C'est un travail collectif, quoi. C'est un programme collectif. Je l'avais dit au début, je l'ai fait. Parce que je tiens mes promesses, monsieur. Ça, c'est rare. Et j'ai une promesse, mais vraiment que je tiendrai, c'est que je ne tiendrai aucun point de mon programme. Ah, c'est voilà. Aussi... Mais là, que les choses soient claires. Et d'ailleurs, un des points de mon programme, c'est de reconnaître d'utilité publique la désobéissance civile. Très bien. Voilà. Ça, c'est-à-dire que nous subissons en permanence la violence et la vulgarité de l'époque. Pourquoi ne pourrions-nous pas répondre de la même façon? Très bien. Quand on en voit certains, dont je ne citerai pas les noms... Où est la vulgarité, après, c'est vrai. Je pense qu'ils méritent, certains, d'être nasulés, c'est-à-dire sodomisés par le nez. Ah, c'est étrange, ça chatouille. Ça fait réfléchir. Ouais, ça peut chatouiller. Quand on a été nasulé une fois, je peux vous dire que il ne nous reste plus qu'une narine, et là, on réfléchit beaucoup.